a un nuevo episodio de Aló Latino TV desde Canadá. Y llegó la primavera y nos fuimos a comer sirope de arable a la Cabana Sud. Alejandro, cuéntanos un poco, ¿qué te parece esta actividad muy tradicional acá del Quebec? Como tú lo acabas de decir, muy tradicional, es una actividad que vale la pena vivir, es una experiencia para la gente que está acá y que, no, que quiere integrarse a la nueva cultura, de conocer las tradiciones y de verdad les recomiendo, hay comida, hay baile. Es una oportunidad para tomar el aire, para cambiar de aire, para renovarse, estar en contacto con la naturaleza y qué más que en compañía de los buenos amigos y la familia. Claro que sí, yo creo que bueno, es el momento ideal para ya comenzar a salir y hacer otro tipo de actividades porque bueno, estábamos con tanta nieve y esto es una ocasión especial que se hace en primavera. Propietario, con el mismo, con el dueño de todas estas instalaciones y nos va a hablar cómo es el proceso del arable. Bonjour Jean. Bonjour, ¿se va bien? Ah, se va très bien. Estoy contento de te voir ici en Aló Latino. Moi aussi. Buenos días. Oh, un poquito español. Okay. Un poquito. Jean, dis-moi un show. ¿Cómo se funciona el arable ici dans cette instalación? ¿Cómo se funciona? En fait, bienvenue à l'érablière Jean-Benoît à Saint-Ambroise, au nord de Montréal. La méthode traditionnelle, en fait, ça vient des Indiens, des premiers habitants ici. Ils faisaient un petit trou avec le chalumeau ici. Okay. Et puis le miel de l'arbre, de l'érable, qui est le symbole du Canada avec la feuille d'érable, coule ici. Avant, ils mettaient ça dans des gros barils avec des chevaux. Et puis, ils y amenaient ça à la petite cabane qui était plus traditionnelle. Maintenant, ça a évolué. Et ça, c'est pas comme ça qu'on fait. On peut le faire comme ça, mais aujourd'hui, on branche avec des tuyaux bleus. Ok. Et le miel de l'érable est envoyé dans la cabane. Arrive les installations seulement avec, avec l'inclination, ça va? Exactement, c'est électrique. Puis dans une espèce de grosse marmite, ça se réchauffe. Et à un certain point d'ébullition, et puis c'est là qu'on fait le sirop d'érable fameux. Que tout le monde mange sur les crêpes et sur les jus. Normalement, ça c'est le meilleur temps de l'année pour voir les érables, oui. Non? Oui, parce que c'est, il faut que à la fin de l'hiver ou au début du printemps, c'est vraiment la température parfaite pour que la sève en fait de l'arbre d'érable coule. Et ça dure quelques semaines, ils font comme aujourd'hui. Alors, je vous invite à venir voir les installations. Vous pouvez marcher, il y a des sentiers, vous pouvez faire des tours à chevaux. Et c'est pour la famille aussi. Alors, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Cuéntanos, ¿qué viniste a hacer esta noche? A ver el chateo.